Moi, ce BO5, Rasmeltor, le coup d'envoi en est donné. Et on est parti sur le kick-off ici, très largement gagné par le Paris Saint-Germain, qui dit c'était bon aujourd'hui, remporte beaucoup ses engagements. Le dégagement de Speed, ça manque de puissance. Fruity qui va bombarder ce backboard. Fruity qui tente directement la double tap, on est à 10 secondes du match. Ferra qui va chercher une passe, là peut-être pour lui-même. Speed qui va dégager, Chaussette un petit peu dans le mauvais sens, là qui va passer par le centre. Hein. En air drip, tranquillement éliminé deux adversaires, c'est bien joué. De la part de Chaussette, gros travail, là il n'a plus de boost, mais il continue à être bloqué par Speed. Ferra qui va essayer de contrer Speed. Utile dans les airs, le duel face à Cuc, Cyril est plutôt neutre. Les deux joueurs ont touché le ballon. Mystique qui va pour remettre ce ballon dans l'axe. Il n'y aura personne. Côté orange, c'est Chaussette là, la demi-volée pour avancer en direction du coin de corner. Speed, oh Fruity avec. Ouh, que s'est-il passé? C'est l'ouverture du score de Fruity. Ouais, but contre son camp là, complètement. Speed qui va rater sa touch ici. Le bounce était assez difficile, hein. Fruity l'anticipe, il tire, c'est non cadré, mais le défenseur croit que... Je crois que c'est Cuxir qui fait un espèce de backflip et qui prolonge ce ballon dans, ouais, dans son c'est but. C'est un redirect on goal. On prend, les Parisiens y prennent également, 40 secondes de jeu 1-0 et attention Ferra sur le kick-off qui ne pourra pas crocheter Cuxir. Ça repart dans le camp parisien avec toujours l'Italien. Ouais, il y a pas mal de place, la Chaussette bien positionnée au premier poteau qui va pouvoir bloquer la passe. Mystique qui tente la passe backboard, Speed qui va peut-être pouvoir la prendre, mais il est au duel avec Chet 45 dans le midfield. Cuxir qui s'envole ici, il va essayer de trouver Mystique pour essayer de passer par le centre, c'est pas mal fait. On n'était pas loin du dunk au premier poteau, mais Chaussette encore une fois qui avait verrouillé la porte. Speed là au duel avec Ferra pour passer dans le midfield, c'est Ferra qui va remporter son duel. Mystique qui va devoir clear sur le côté. Ouais, il cherche Cuxir, oh l'Italien qui n'est pas parvenu à toucher, Fruity qui est là pour fermer, il a joué en deux temps, et par manque de boost, c'est finalement une passe pour Chaussette, la frappe était cadrée, mais Mystique était là, ça revient avec Ferra, fort contre le backboard. Décollage de Speed pour repousser, Fruity sera à la retombée, il contrôle, il va être contest, c'est Speed qui gagne son duel, et Chaussette retourne sur ce ballon. Ouais, Chaussette là qui va pouvoir éliminer un adversaire, Ferra qui a toute la place du monde, non, Speed qui arrive par l'angle mort, hein. Personne ne l'avait vu. Mystique, il a de la place pour trouver Cuxir peut-être pour le redirect. C'est bloqué par Fruity. Chaussette qui va essayer maintenant de s'échapper sur le côté. Speed qui va lui mettre la pression, ça revient dans l'axe. Ferra l'open. C'est non. C'est Mystique qui a eu le temps de revenir. Ferra qui passe dans l'axe pour Fruity. La passe back, attention. Chaussette qui ne l'a pas lu. Il va être en difficulté maintenant. Oui, ça va, il va s'en sortir. Il attrape le boost au passage. Il relance la machine là. Deux joueurs éliminés. Cuxir, c'est compliqué pour lui. Chaussette à nouveau du boost, mais il a été battu cette fois-ci par Mystique. L'Écossais ne pourra pas reprendre ce ballon qui est remis dans l'axe par Ferra. Cuxir qui décolle pour temporiser dans le coin de corner. Une deuxième touche de l'Italien. Fruity face à Cuxir, le Danois qui passe. Et derrière, c'est Speed qui dégage. Ouais, Chaussette là qui a pris son temps pour contrôler ce ballon. Il garde la pression du ballon, il y a peu de pression, mais c'est Mystique qui est finalement arrivé. Speed, le duel avec Ferra. Ferra un petit peu en retard, mais qui va parfaitement anticiper la trajectoire de cette balle. On se bat maintenant dans le corner du Paris Saint-Germain. Ferra qui a le ballon contrôlé. Attention, elle ne pas se faire dunk ici, là dans son propre but. C'était très dangereux. Mais ils s'en sortent bien, là, les Parisiens. Speed qui va essayer probablement de repasser dans l'axe. Il va chercher Cuxir. Chaussette qui va les en empêcher. Attention, cette balle assez dangereuse. Mystique qui sera premier sur ce ballon. Ferra la récupération. Il aurait pu tirer directement. Il tente de drop cette balle. Oh, la belle lecture du rebond de Cuxir. C'est pas terminé peut-être avec la frappe de Ferra. Mais ça va être arrêté par la défense. Allez, il faut y retourner. La bonne touche de la part de l'Italien. Mais Fruity qui est juste derrière. Chaussette qui a bumpé un adversaire. Mystique sera là pour défendre. Fruity et passer au-dessus. Cuxir à la retombée. Oh, Ferra qui était un petit peu trop loin pour contester. C'est Chaussette finalement qui tire son épingle du jeu pour la double. Chaussette, la triple tap, la quadruple tap, Ferra ne sera pas là. Quintuple tap, la sextuple. Fruity là qui tente de passer, Cuxir qui va pouvoir dégager, ou Mystique qui avait double commit, il a cancel, mais Speed du coup se retrouve à devoir rendre la balle à l'adversaire. Chaussette qui essaie de gagner un petit peu de terrain, il va être bloqué par Mystique. Ferra qui va pouvoir mettre cette balle dans l'axe, c'est plutôt bien fait, mais Speed sera le premier sur ce ballon. Le duel est important dans le midfield ici, il est remporté par le joueur italien. Chaussette qui va pouvoir reprendre ce ballon avant qu'il se reprenne le contrôle de sa voiture. Mystique la passe peut-être pour Speed, c'est contré par Ferra. Oh, bien joué Ferra qui a gagné le duel. Ferra il va essayer de contrôler, bien joué, il élimine un joueur, il peut centrer peut-être à Fruity qui est un petit peu loin. Ferra qui n'avait pas... Ouais, il s'est un petit peu précipité sur ce coup. Chaussette qui dégage loin devant dans l'axe, la démolition de Ferra, il n'y a plus personne dans le but. Ferra qui va essayer de contourner pour trouver l'angle, ou Cuxir qui va contrer son propre coéquipier. C'est un petit peu la panique dans la défense de Flipside, mais ça ressort avec Mystique. Ouais, super contrôle de Mystique, là, super travail offensif là du joueur de Flipside. Mais il n'y avait personne pour follow, personne n'a trust là, son incroyable remontée du terrain. Ferra un petit peu en difficulté là, Fruity qui va lui venir en aide. La rotation défensive, voilà, de Cuxir pour le boomer, pour Mystique. Fruity qui va réussir à glisser sidebox devant celle de son adversaire. On est maintenant dans le camp de Fit la Tactique Speed. Possession du ballon, il va être bloqué par Ferra, c'est bien fait. Ferra qui va tenter le bump derrière à l'aveugle, mais il ne trouvera pas son adversaire. Mystique sur le backboard qui va pouvoir dégager dans l'axe maintenant. Fruity qui sera le premier sur ce ballon, il va tenter de la drop pour un coéquipier, mais c'est Speed qui va pouvoir reprendre le ballon. Les Chaussettes, à partir du ceiling, il y a Ferra qui attend la passe dans l'axe. Chaussette qui privilégie la frappe plutôt, mais Mystique est vigilant. Ça va revenir avec Ferra. Oh là, le missile, il était cadré. Fruity
Kiki Backflick, malheureusement, il pourra pas passer au-dessus. Si, quand même, le Danois qui gagne le duel. Mais il n'y aura plus personne pour reprendre ce setup backboard. Chaussette pour remettre 20 secondes restantes. Les Parisiens qui poussent, c'est pas mal en ce début de série. Dégagement de Cuxia, attention, l'opportunité peut-être pour Flipside. Non, le ballon est toujours dans le camp orange. Ah oui, la grosse pression mise par le Paris Saint-Germain. Il reste 10 secondes. Et Flipside va devoir rendre cette première manche. Attention, il reste encore peut-être une action. Smith qui va relever ce ballon. Il vise le backboard. Chaussette en difficulté qui a failli double backboard cette balle dans son propre but. Cuxir qui réussira à maintenir cette balle hors du sol. Si la balle touche le sol, c'est un point pour PSG. La balle qui ne touche toujours pas, il y a Mystique qui sera le premier sur ce ballon. Il va pouvoir essayer de frapper le backboard. Chaussette qui peut clear sur le côté. Et c'est fait, le PSG eSport remporte la première manche. Ouais, solide. Rasmelter, je crois qu'il ne s'est pas passé grand chose dans ce match. On n'a pas vu beaucoup d'action. Il y a eu un but sur un coup du sort, un but complètement évitable pour Flipside Tactics. Ils se le sont mis tout seul. C'est vraiment un on-goal là, il n'était pas cadré du tout le tir. Il a redirect contre son camp. Mais ça s'est neutralisé. On n'a pas vu de véritable action de but. J'ai trouvé Flipside extrêmement mou par rapport à ce qu'on voit d'habitude, très lent par rapport à d'habitude. Speed qui n'a pas été très percutant. Offensivement, Flipside n'a rien montré. Aucune phase de pression. PSG non plus. Et PSG pas grand chose non plus. À part ça, et c'est Cuxir qui panique un petit peu. Qu'est-ce qu'il faisait à l'envers. Et c'est tout. Voilà, le replay nous a montré que ce seul but. Bah écoutez, on prend. Allez, hein. On y va. C'était encore une game d'échauffement. Ouais, c'était la game de chance. Je pense que ça va s'accélérer. C'est serré, personne n'a vraiment pris le dessus. Le PSG a globalement dominé, mais sans trop non plus mettre en difficulté Flipside. Ouais. Non. Non, c'était bien. Oui. On attend le match numéro 2. Les rotations offensives et défensives se sont annulées en fait. Oui, c'est ça. Ça s'est neutralisé, ouais. Game numéro 2, Manfield Knight. Si ça peut continuer sur ce faux rythme et que ça profite au PSG comme ça, même si on n'a pas un match de Rocket League d'exception. Ouais, discrètement. Ouais, hop, voilà, c'est trois, ça. Hop, jour 2, on y va. On n'a rien vu. C'est parti, le kick-off. Et très largement gagné par le PSG. Mais Cuxir qui va pouvoir surgir ici. Speed qui va être un peu court. Tout le monde rate ce ballon. On n'a pas beaucoup de boost. Oh, attention, le bump qui est tenté. Oh là là, Speed qui va rater son bump. Dommage, c'était cadré. Mystique peut-être la frappe en pleine lucarne. Mais Ferra et Fruity sont venus. La passe dans l'axe là de Cuxir, assez peu inspiré. Qui va mettre la chaussette de clear. Hein. Ça aurait pu même être cadré. Oula. Mystique qui va reprendre cette balle avec un petit turn. Oui, effectivement, un petit peu bizarre. On arrive à clear, on est de nouveau dans le camp du PSG. Chaussette, attention au monstre clear de chaussette, hein. Des fois ça atterrit dans la lucarne en face. Cuxir là, Ferra sur le backboard, il va essayer de la contrôler, il arrive à éliminer Mystique dans une situation compliquée. Fruity qui va pouvoir follow cette balle, 1-2 avec Ferra, on est bloqué sur le côté par Speed. Ouais, Chaussette va essayer de centrer, mais il n'y aura personne à la réception. Ferra qui traîne là pour essayer de gêner éventuellement les joueurs de Flipside Tactics. Là ça revient avec Fruity, côté droit. On va essayer de retoucher, Mystique qui attend, il passe à côté le Danois. Il peut récupérer, il n'a pas beaucoup de boost, néanmoins c'est Ferra qui essaie de centrer. Ça ne donnera rien, on est dans le coin de corner de Flipside Tactics et on y reste pour le moment, à moins que Cuxir veuille en sortir. Fruity a dit non, Fruity peut-être, Mystique est éliminé, Ferra est là, oh c'est pas mal, si Chaussette est là pour conclure, c'est l'ouverture du score. Et voilà, on avait bien compté effectivement, il y avait eu une première touche, puis une deuxième, il manquait la troisième. Les Flipside Tactics complètement outrotate ici. Ouais, ça a pris du temps, on a insisté dans le coin de corner gauche des Flipside et au final c'est passé, c'est bien fait du côté du PSG qui s'est bien repris dans cette game numéro 2 après avoir été légèrement mis sous pression au début. Cuxir à la défense. Ouais, Cuxir qui va essayer de prolonger, peu de pression mis par Ferra, il va se faire dunk ici mais Fruity était bien positionné en follow-up. Ça clear un petit peu dans le midfield, on cherche Speed pour Mystique. C'est contré par Chaussette, bonne lecture de jeu. Ferra dans une situation un peu délicate là, hein, qui se retrouve à redonner un peu le ballon à Speed, qui n'en fera absolument rien, la balle est clear. On est de nouveau maintenant dans le camp de Flipside. Attention à Fruity, là qui surgit. Ça aurait pu être une bonne passe pour Ferra, ce clear lointain là, bloqué par Chaussette. Il était parti en direction du but. Speed qui va essayer de battre Ferra, c'est fait, le 50-50 qui est gagné par le joueur de Flipside Tactics. Chaussette 45, le monster clear encore, hein, c'est incroyable. Hein. Les clears qu'il envoie depuis le backboard. Chaussette qui a une bonne opportunité, Mystique qui est mal positionné mais qui arrive à la bloquer. La passe peut-être pour Ferra. La frappe qui manque de puissance, Fruity qui tente de la dunk. Oh, c'est dommage, très belle occasion là pour le Paris Saint-Germain. Oh, la passe complètement obvious, la contrée par Chaussette 45. Cuxir sur le côté, il va essayer, il n'a plus beaucoup de boost, il a deux adversaires en plus, Fruity qui passe une première fois. La rotation offensive, c'est Ferra qui va pouvoir mener la charge, mais c'est dunk par Speed. Ouais, dégagé loin devant, qui aura-t-il à la retombée? C'est Chaussette qui contrôle, attention, Speed qui avait tout vu, le centre, il est peut-être intéressant pour Flipside, mais on est loin, Cuxir là qui est battu, et Chaussette qui la lève pour Ferra,
Il va essayer de prolonger en direction du but. L'intervention de Mystique pour remettre le ballon dans le coin de corner. Le centre de chaussette, ça ne donne à rien. Ça ne passe pas la ligne du premier poteau. Et Speed qui lance Mystique dans les airs. Le décollage de l'Écossais, il est battu par Fruity. Ferrar qui reprend. Ouais, c'est pas mal fait. Ils ont de l'espace. Il va falloir set up une passe. C'est bien fait. Chaussette fait bon follow-up au premier poteau. C'est assez obvious, mais ça va vite. Ça va très vite côté PSG ici. Sur cet enchaînement, il s'offre le luxe de récupérer le boost. Hein. Speed là, qui ne peut pas voir le joueur qui arrive à sa gauche, qui est dans un angle mort. Il pense être premier sur ce ballon, mais il ne l'est pas. C'est tout le temps comme c'est ça. Classique, c'est classique tout le au temps, premier poteau. Dans, ouais. Au premier poteau, c'est tout le temps comme ça. On se dit qu'il n'y a personne, on prend son temps et on se fait cut au dernier moment. 2 à 0 pour le PSG, le flip side tactics. Ils ne font absolument rien ouais. ici, peut-être à part ouh, ça, ouh, peut-être ça... à part Speed ici qui se fait une passe dans la gouttière supérieure. Ouais, mais ça termine sur la barre et chaussette qui se retrouve avec de l'espace, 42 boosts, c'est suffisant là pour aller la mettre dans la Lulu. Vas-y Thibaut. Non, c'est défendu par Speed. Ça va être repris au milieu du terrain au niveau du rond central par Ferrar contre le backboard. Il aura Cuxir pour défendre. Bonne touche, ça va servir Mystique derrière chaussette qui conteste. Ferrar peut-être, non, il redescend, il se ravise. Il y avait Fruity dans les airs, le Danois qui va redescendre. Il a beaucoup d'espace, oui. Où c'est pas mal envoyé avec créativité. Il a fait comme il pouvait. C'est en direction du but sur la barre. Peut-être quelqu'un pour conclure. Non, Ferrar va aller se replacer, de même que Fruity. Ouais, c'est la confusion en défense là de Flipside, complètement désorganisé là. Un Flipside transformé hein, depuis la dernière fois. Ils sont pas en forme aujourd'hui. Mystique qui est battu par Speed. Fruity qui va en profiter. Il peut centrer tout seul. Mystique qui essaie de renverser le sens du jeu. Il va chercher Speed sur le côté, qui va choisir de le contrôler. Il a raison. Oh. La bonne démolition, là, c'est très bien fait. La frappe enchaînée. Et malgré la smoke ici, on arrive à défendre. Oh, Ferrar bien positionné, le bon retour. Et là, on est en open net, là, mais il n'y aura pas de joueur de Parisien pour marquer. Ouais, il fallait d'abord se dégager de cette phase de pression. Et Fruity qui a dégagé Speed également. Ferrar qui recherche son coéquipier. On a failli se trouver, c'était pas mal. Chaussette qui renvoie derrière, une minute restante. Oh, il y a Ferrar qui est le premier sur ce ballon. Il était parti pour la double tap, mais c'est dégagé par Mystique. Ouais, là, ça aurait pu être dangereux. Il faut tenter des choses, ils ont raison. On continue, là, il faut continuer à mettre de la pression du côté des Parisiens pour l'instant. C'est Flipside qui est à l'attaque. Mystique qui s'envole. Il bat la chandelle de Ferrar. Chaussette bien positionnée, encore une fois, qui arrive à défendre. Hein, c'est vraiment l'élément clé de cette défense du Paris Saint-Germain. Chaussette, là. Attention, Cuxir qui essaie de passer, il va y arriver, chaussette qui n'a pas de boost, il est un petit peu dans le mauvais sens, il va laisser cette balle à Ferrar, c'est bien fait, il la cover, la passe dans l'axe pour Speed peut-être, mais le dunk de chaussette, on n'arrive pas à trouver de solution côté F3. Ouais, il est bien sorti là, allez 20 secondes à tenir, encore une fois quel redirect là de la part de Speed qui ne trouvera pas le cadre, ils ne sont pas en réussite, attention Fruity qui se précipite un petit peu, mais chaussette va ensuite gagner un temps précieux derrière. Plus que 10 secondes, ça défend le backboard par l'intermédiaire de Ferrar. Et là, il a la possession, le capitaine parisien, il a le contre-favorable. Ça va être fait, ils vont mener 2-0 dès que ce ballon aura touché le sol. Incessamment, sous peu, c'est fait, 2-0, faut finir maintenant. Eh bien écoute, un match à l'image du premier, avec un PSG un peu meilleur. Offensivement, ils ont fait de bonnes actions, ils sont allés au bout. Et un flip-flat tactique, toujours endormi. Oui. On dirait que Day 2 c'est bien. Oui. Je crois ouais ça suffit. La lune des miels. Les passes sont dans le dos des joueurs, ils se font pas de passes vers l'avant, ouais. ils se cut. Quelqu'un aurait-il coupé le micro de Flipside Tactics? Ça sourit un petit peu moins, hein, en tout cas du côté de Flipside, on l'a vu. Et serait-ce la fin d'une lune de miel qui aurait été très très belle pour les trois joueurs, mais qui n'aura pas duré très très longtemps s'ils venaient à perdre là. En tout cas, le PSG va se retrouver quand même avec... J'ai envie de dire que le plus dur reste à faire, parce qu'on les connaît. Genre, ça se passe très très bien. Oui. Ça se passe très très bien, il n'y a aucune raison là. Ah, puis on a déjà vu en plus le réveil de Flipside. Non, c'était, je sais plus, contre TSM, si tu te souviens. Quand ils avaient gagné, c'était... quand TSM avait gagné, les anciens... Oui. Oui. Ils avaient fait un peu pareil comme ça, Flipside. Il y avait deux matchs qui avaient joué. Ah oui, le match qualificatif, oui, le deuxième, voilà. Effectivement. Est-ce qu'ils vont se réveiller? Je sais pas, ils ont vraiment l'air apathiques, ils sont peu précis, mal organisés. Une équipe qui fait pas peur du tout. Après, les Rivers, hein, PSG Esports. Ils sont coutumiers du fait. C'est pas comme si c'était jamais arrivé, quoi. Oui. Mais bon. Allez, game numéro 3, l'Utopia Coliseum, pour en finir, pour éliminer Flipside Tactics. Et empocher son ticket pour le troisième jour, pour les playoffs, pour le top 8 de cette Rimac Leipzig. Première étape du Pro Circuit, attention à ce ballon backboard qui est défendu par Chaussette. Fruity va devoir reprendre, il est parvenu à contrer. Ferrar qui défend dans le coin de corner, le PSG sous pression. Ouais, attention là, qui s'est fait complètement dunk par Chaussette. Il
va laisser cette balle. Belle communication ici du PSG. Il n'avait plus de ressources, le joueur français. Speed qui va tenter d'éliminer son adversaire. Il passe à moitié, on est dans l'axe. Ouh, chaussette qui se rate complètement. Ouh, le bump évité par Ferrat. Quel arrêt là, de la part du capitaine du PSG. Fruity qui va essayer de tempo un peu sur le côté. Il voulait se faire une passe lui-même. Il est dunk par Speed. Ferrat qui va devoir défendre le backboard. C'est fait, il n'a plus de ressources. Il faut quelqu'un à la récupération. Ce sera Mystique pour la passe à Bandi. Il y a des bosses open net. Ouverture du score pour Flipside Tactics qui marque, je crois, leur premier but. Ouais. Et qui mène pour la première fois dans ce match. Oui, avec un petit peu plus d'agressivité. Speed qui va démolir un joueur et qui fait le demi-tour pour reprendre la passe de son capitaine Mystique. 1-0 pour les F3. C'est un, voilà, c'est un tout autre visage déjà après 50 secondes de jeu qu'il nous montre. Attention sur le kick-off. On va laisser à Chaussette qui contrôle pour essayer de passer Kuxir. Non, a dit l'Italien. Ouais, Mystique aussi qui balance cette balle dans le coin du PSG. Kuxir qui arrive assez vite là. Mystique très rapide là. Derrière le follow-up de Speed. Ça fake un petit peu. Oh, il a tiré sur Chaussette. Ça remet la balle dans l'axe. Il utilise des adversaires maintenant. Hein. Nouvelle stratégie. Ferrat qui passe dans l'axe. Mais Chaussette était bien trop loin. Kuxir qui va pouvoir remettre la balle. Ferrat, deuxième essai peut-être. Il est contré ici. Attention à cette balle qui va atterrir directement sur Fruity. Fruity le bon dribble là peut-être. Mais Speed arrive en follow-up pour aider son coéquipier. Ça se bataille dans le midfield pour la possession de balle. Excellent clear là. Mais Speed encore bien positionné qui va pouvoir la reprendre. Est-ce qu'il peut la retoucher? Double commit là de la part de la tactique. Ferrat peut en profiter. Allez. Peut-être le 1v1. Ferrat le 1v1. Ouais. Ferrat qui marque. Il élimine son adversaire dans cette action. Ouais, c'est pas sans rappeler le but qu'il avait mis contre Flipside Tactics. C'est un petit peu un coup de fake face à Kuxir. Hein. C'est pas le premier que Ferrat met à Kuxir. Vous en souvenez très certainement. Commentez en espagnol de ce but avec les leftovers. Ferrat RLCS saison 3. Un partout, la belle égalisation parisienne. Attention, Fruity qui va essayer de contrer. Kuxir met sur le côté et Mystique reprend. Ouais, Mystique qui va pouvoir clear cette balle. Speed qui essaie de faire une passe à ses coéquipiers, mais son touch aura coûté cher pour un impact assez faible. On tente de repasser dans l'axe. Mystique qui est très loin. C'est Fruity qui sera premier. Mais Speed est bien revenu. Chaussette là. Ouh, double commit PSG. Oh, attention là. Heureusement, il a réussi à se récupérer. Mystique qui tente d'aller faire une action sur un backboard. Ferrat qui le défend. Il va trouver Fruity. Le duel avec Kuxir. Kuxir qui va remporter son duel, mais il est bump, il ne pourra pas follow, mais Speed va venir à son secours. Il y a Chaussette ici pour aller défendre son corner. Kuxir le duel encore. Ouh, très bon doing de la part de Chaussette pour servir Fruity. Il peut continuer ici dans le corner de Flipside Tactics. Le jeu se renverse, ça ne donne rien. Ouais, Speed, non, c'est Ferrat qui sera le premier. Ouh, il s'est un petit peu raté. Ferrat, ça va, il y avait Chaussette derrière, placé très, positionné très haut derrière son coéquipier. Oh. Chaussette, ça peut être dangereux. Et c'est repoussé par Mystique. Fruity. Il choisit de la taper sur le wall pour se faire une passe à lui-même. C'est intercepté par Kuxir. Ouh, Ferrat, la tentative de bump derrière de la part de Mystique esquivée. Chaussette qui est là à la parade. Attention à la pression. Et Chaussette qui donne de l'air au PSG encore. Voilà, ils sont un petit peu en retard, les joueurs du PSG. Grosse pression là, mise par Flipside. Speed qui va rater sa touch. Fruity, excellent travail défensif là. Maintenant, c'est offensif. Il ne pourra pas aller au bout. Chaussette, le bon follow-up qui a tenté le petit tir piqué là pour venir surprendre cette défense. Ça aurait pu fonctionner. C'était très intelligent de sa part. Kuxir qui arrive à passer sur le côté. Fruity qui est éliminé. Ah, Chaussette qui arrive à clear là. Encore une fois, les clears de Chaussette. Qu'est-ce qu'ils font du bien à cette équipe du PSG. À chaque fois très loin en défense et ça repart très loin en attaque. Kuxir qui va contrer ici au midfield. Ça fait une belle passe backboard. Chaussette qui se loupe. Mystique qui frappe. Peut-être Kuxir derrière. C'est sur le poteau. Il y a Speed pour tirer. C'est sur la barre. Kuxir qui ne peut pas faire un qui dégage. Oh là là, ils ont tenu bon là le PSG. Flipside Tactics, vous avez vu sur cet angle large, ça a tourné pour essayer de marquer ce but. Non, ce n'est pas passé. Attention, c'est pas terminé avec ce centre de Speed. Fruity qui se rate, mais il y a Ferrat derrière qui tient bon. 1 minute 30 restante, le PSG qui peut respirer un petit peu et se projeter vers l'avant avec ce centre que personne ne peut reprendre. Si Fruity va aller gagner son duel, Kuxir ne se rattrapera pas. Chaussette est à la retombée. Attention, Speed a décollé. Chaussette in extremis, il a pu contrer Ferrat face à Mystique. C'est encore une fois neutre. Fruity peut peut-être reprendre. Fruity qui passe dans l'axe, il y a Chaussette ici. Est-ce qu'il va pouvoir se tout reprendre cette balle lui-même avec une passe back? Mais il y avait Speed devant. Fruity qui a tout le temps ici pour la reprendre. Non, Kuxir qui vient l'agresser très rapidement. Fruity qui gagne duel après duel. Il a plus beaucoup de boss. Il tente le breftage ici, mais c'est perdu. Speed qui va pouvoir passer. Oh, la frappe de Mystique enchaînée. Ils étaient battus le PSG, mais encore une fois Flipside qui ne cadre pas. Chaussette, le selling shot, le selling pass peut-être. C'est dégagé par Kuxir. Il a privilégié la passe là cette fois-ci. Fruity qui sert Ferrat. Deux joueurs qui se jettent. Tentative de bump sur Kuxir de la part de Fruity. Ça ne passera pas. Chaussette derrière qui remet ce ballon backboard au-dessus de la barre transversale. Bien défendu par Speed cette fois-ci. Fruity qui recherche une passe axiale. Ferrat qui y va. Le duel face à Mystique encore une fois neutre. Kuxir est dans les airs déjà pour dégager. Sur Chaussette, faut pas se rater. Et là, ils ont de la place peut-être. Ou non, le rebond là qui est pas évident pour Fruity. Ferrat qui va follow sa balle. Bien joué. Ça peut passer. Kuxir en difficulté pour clear qui va rater sa touch.
faut en profiter maintenant. Fruity peut-être qui tente un tir, simplement c'est dommage, il y avait peut-être d'autres options. Speed qui peut clear, Fera pour le monster clear, oh, c'est parfait. Je sais pas si c'était volontaire, en tout cas si c'est le cas c'était absolument incroyable, mais ça se passe bien. 4 secondes avant la fin, après on part en overtime. Speed peut-être pour tenter, oh là là, ça bump un petit peu là sur le backboard, ça touche, overtime. Ouais, c'est le but en or qui va décider de l'issue de cette game numéro 3, le PSG peut en finir en marquant le prochain but. Fera face à Mystique, c'est l'écossais qui s'en sort. Fruity qui remet derrière, il y aura Kuxir pour repousser. C'est dans la course de Speed. Fruity qui touche pour essayer de ralentir la progression des flipsides. La passe de chaussette vers Fera qui va essayer de contrer. Il est parvenu à toucher le ballon là, le capitaine parisien. Fruity qui remet, ça revient sur Speed. Ouais, la bonne patte pour Mystique. Le backboard qui va être défendu par chaussette, toujours là évidemment, bien positionné en défense. Speed qui rebalance, Fera qui s'envole ici pour une touche pour Fruity, c'est bien joué. Chaussette qui n'était pas montée sur ce ballon. Mystique qui va en profiter. Il y a Kuxir là-bas. Est-ce qu'il peut réussir à trouver l'angle interdit? Non. Chaussette va pouvoir le bloquer sans problème. Qui limite Speed. Le débordement par un contre-attaque. Fera qui va perdre son duel contre Mystique. Qui est tentative de bump ici. Mais il n'y a personne pour tirer côté flipside. Du coup, pas de problème. Kuxir encore sur le mur. Fera qui s'envole assez rapidement. Ça prend son temps côté flipside tactique. C'est Speed qui va prendre ce ballon finalement. Ça va frapper le backboard. Chaussette qui arrive à clear sur le côté pour Fera peut-être. Speed qui est le premier sur ce ballon, mais Fruity peut clear. Là, la contre-offensive là, menée par le Danois. Il va essayer de pinch ce ballon. C'est Kuxir qui touche. Fera qui arrive, qui est lancé, qui gagne son duel face à Mystique. Attention, ils sont en danger. Les flipside tactiques, il n'y a plus personne. Fruity pour trouver le cadre. Peut-être le retour défensif de la part de Speed. C'est pas tout de suite que le PSG va se qualifier. Fera peut-être qui décale côté droit. Va essayer de retoucher peut-être une nouvelle fois. Oui, il est parvenu à contrer Mystique. Décollage de Speed. Ouais, Speed qui peut clear. Attention pour Mystique. Heureusement, Fruity qui arrive. Ça touche le plafond, c'est dangereux. Kuxir en difficulté ici dans son but là. Fruity qui tente un petit peu le strike. La bonne passe au deuxième poteau. Speed qui peut la toucher, mais ça fait une passe pour Chaussette. Il aurait pu essayer de tirer. Il a décidé d'éviter plutôt les défenseurs pour essayer de tenter un centre. Oula, c'est un peu compliqué à prendre là le rebond. Difficile à lire. Bien joué de la part de Fera ici. La rotation offensive de Fruity. Peut-être en deux temps, il tente plutôt le bump. C'est Kuxir qui va la remettre un peu dans l'axe, peut-être pour Chaussette, la frappe. C'est bloqué par Speed. Ça va revenir avec Fera, c'est pas terminé, les Parisiens qui poussent. Bonne touche de balle, cette fois-ci de la part de Mystique pour faire respirer les joueurs de Flipside Tactics. Chaussette qui dégage. Oh, attention, ça bump, ça démolit de la part de Speed, il n'aura pas Fruity néanmoins. Fera qui touche, il va passer au-dessus de Speed, c'est bien fait. Oh, l'opportunité, ce ballon qui va revenir dans l'axe, il va défier Kuxir, mais l'Italien qui va s'en sortir. Chaussette juste derrière, le centre ne donnera rien. Ah, là on est en slow play dans le corner ici. Fruity qui arrive à se glisser, ça passe un peu dans l'axe. Fera qui s'y attendait pas, il ne peut que bloquer le ballon. Chaussette bien positionnée là peut-être pour une double tap. Kuxir hein, qui était là, il était prêt, il s'attendait à cette balle. Il va prendre son temps, il n'a pas beaucoup de boost là pour faire un air dribble. Voilà, il est bloqué par Fera dans l'axe. Speed qui intervient, mais il va être obligé de rendre cette balle à Chaussette. Peut-être qu'il n'y avait plus beaucoup de boost, oh, Fera, mais qui va très bien cette balle, peut-être Fera. Et personne ne touche. Ouais, Kuxir essaie de repousser, c'est compliqué pour lui, il n'a pas de vitesse. Speed qui est positionné là sur la trajectoire de la balle, ça revient avec Chaussette dans les airs, il aura Kuxir, c'est dans la course de Fera. Allez, le contrôle peut-être, non c'est trop long, c'est directement sur Mystique qui renvoie Speed pour le redirect, ça peut être dangereux. Ouh, c'est au-dessus de la barre transversale, et Fruity qui est là pour essayer de relancer la machine parisienne, il a le contre favorable. Kuxir en difficulté, ça ne va pas partir très loin, ça drop peut-être pour Chaussette. Non, c'est Fera qui avait décollé, il n'a pas eu le duel face à Speed. Chaussette va se replacer derrière pendant que Mystique mène l'offensive. Ouais, Chaussette qui tente la frappe, il y avait eu une démo là, il y avait eu un call de fait. Honnêtement, ça aurait pu faire. Attention, c'est raté, Speed qui passe dans l'axe. Heureusement, Mystique n'était pas prêt parce que là, le gardien du PSG n'avait aucune chance de bloquer cette action. Kuxir, la grande passe backboard au deuxième poteau, Chaussette qui s'envole, il arrive à battre Speed. Oh, le rebond, terrifiant. Le pire rebond, encore une fois, qu'est-ce que c'est que ces bounces là? Heureusement, ça a feinte aussi les attaquants. On essaie de se dégager côté PSG, Speed qui va pouvoir bloquer ce ballon. Il peut enchaîner, est-ce qu'il peut dribbler pour repasser dans l'axe? Mais c'est bloqué par Fera. 3 minutes 30 d'overtime et Fera côté droit face à Kuxir. Fera encore une fois qui touche. Oh, ça s'est raté au premier poteau. Il n'y a personne pour accompagner Fera, personne ne s'y attendait à ce que ce ballon arrive devant le but. Forcément, compliqué côté parisien d'y aller. Kuxir qui repousse, peut-être un redirect. Non, Speed n'était plus là. Chaussette qui renvoie directement sur Mystique. Speed est là, côté gauche, peut-être pour réceptionner cette passe de son capitaine. Ça revient avec Fera qui trouve Chaussette, qui prolonge directement sur Kuxir. Attention, Fruity, faut pas se rater, pas énormément de boost, mais ça va, il n'a pas tremblé le Danois. Oh, oh, Chaussette, le mind game, ça passe un joueur, mais pas le deuxième. Bah, attention, c'est dangereux là, ces balles flottantes devant le but là. Speed qui essaie de prendre deux fois, c'est bien fait, le bon rebond, la frappe de Kuxir. Et ils ont fini par trouver la faille, les joueurs du PSG qui n'étaient pas dans le bon sens. Ils arrivaient de l'extérieur ici, avec la même rotation que l'attaque. Et du coup, c'est quasiment impossible de prendre cette trajectoire correctement.
Ils étaient deux pourtant, mais c'est insuffisant. Et Flipside qui revient de loin, Flipside en sueur, mais Flipside qui sort un peu la tête de l'eau et qui est en train d'amorcer la remontada. Arrête, Rasmelter, arrête d'en parler. Ça n'arrivera pas, ça n'arrivera pas, mais Flipside Tactics est toujours en vie. Plus de 4 minutes de prolongation et ils ont tenu bon. Les Parisiens ont eu la possibilité d'aller mettre... Ils ont dominé cette overtime, j'ai trouvé, mais sans réelle occasion de but. Voilà, ils avaient la possession territoriale, la possession du ballon et la domination territoriale, mais pas de réelle occasion de mettre vraiment ce but en or. Voilà, les joueurs de Flipside Tactics se sont enfin réveillés. Ils n'ont pas eu de réussite, toi, sur cette action. Ça frappe la barre plusieurs fois. Ah oui, c'est l'action qu'on avait vue d'en haut. C'est incroyable. Et ça. Ouais, c'était. Fou. Ah, c'était ouais. Chaud. Et Kuxir. Ouais, ouais. Il Principe qui va mettre ce but en or. Ouais, la bonne passe hein, dans la gouttière, difficile et aride, surtout quand on n'est pas dans le bon sens. Et quand on est collé sur le backboard, ce ballon qui s'est décollé, oui, effectivement, les deux. La rotation défensive et offensive qui arrivent toutes deux de l'extérieur. Ça, c'est fichu. Les conseils de coach Ras que vous pouvez suivre sur le youtube.com/Rasmelter et sur son Twitch au même nom. N'hésitez pas, franchement, c'est pas du troll, allez vraiment voir ce qu'il propose notre caster. Allez, c'est parti pour la game numéro 4, toujours une balle de match pour le PSG, cette fois-ci, faut pas la laisser passer. Ouais, attention, Kuxir qui s'envole en chandelle, il va dépenser beaucoup de ressources ici là pour aller chercher ce ballon et avec un clear assez faible. À Neo Tokyo, Mystique, il peut le faire le reset là, ou ça n'aura pas fait des fruits, il avait plus de boost, ça c'était sa seule option. Ferra pour Fruity, c'est plutôt bien fait. On est passé dans le midfield. Kuxir là en difficulté, là encore. Mystique lui vient en aide. Il arrive à gagner son duel. Il va pouvoir peut-être passer dans l'axe, c'est fait. L'envolée de speed. Mais la bonne lecture de Josette qui va même pouvoir la prendre en double tap. Il va la laisser à son coéquipier. Ouais, bonne communication là. C'est Fruity qui renvoie très fort, loin devant. En retrait là pour Ferra. On cherche le backboard. On ne le trouvera pas avec Mystique qui touche une deuxième fois pour éliminer Chaussette. Attention, Speed qui va essayer de rabattre ce ballon dans le but. Mais ça tombe sur la barre transversale. Toujours pas trop de réussite du côté des Flipside Tactics. Fruity pas de boost là pour aller gêner Kuxir. Chaussette est derrière. Kuxir qui contre une nouvelle fois. Et c'est Ferra qui repousse devant. Voilà. Oh. Oui, là, attention là, le redirect. Décidément, les Flipside là qui ont du mal avec cette barre transversale. Un tout petit peu plus bas là et c'est la catastrophe hein. Mais bon, pour l'instant le but du PSG qui tient bon. On est à 3 minutes 44, on essaie de passer au milieu de terrain. La balle assez haute, le premier ce sera Mystique pour Speed. Il lui remet une balle très intelligente sur le backboard. Dommage, pas de follow-up, mauvaise communication ici. Ça aurait pu être intéressant. Speed qui essaie de suivre mais il va se rater. Chaussette l'a bien lu. Il va peut-être pouvoir tirer. Chaussette, c'est fait. Mystique au premier poteau qui n'a pas tremblé. Il va éliminer un adversaire, Ferra, qui avait surgi. Il repasse dans l'axe pour ses propres collègues, c'est assez osé. Mystique, le follow-up intelligent ici. Chaussette, bien positionné peut-être pour une double tap. Il va attendre le rebond mais ça va être monster clear. Ouais, Fruitier est à la réception. Il pousse dans la course de Ferra, c'est bien fait. Il s'échappe côté gauche là. Le français ne pourra pas centrer face à Kuxir. Chaussette, ok, parti pour la double tap. Mystique qui va l'en empêcher là. Avec une excellente défense backboard de l'Écossais. Fruity qui centre, ça ne passe pas au premier poteau. Ferra qui insiste à son tour. Le contre est favorable. Attention Kuxir, ce ballon qui ne va pas très très loin. Et Fruity qui est là pour le reprendre. Plus de boost pour lui, il ne pourra pas contrer. Kuxir qui renvoie ça directement sur Chaussette. Ça pas drop, de boost, drop, pas de double drop. Tap. Et personne pour conclure encore. Ouais, c'est dommage là, ouais, que ce soit en attaque ou en défense, on n'a plus de ressources. Attention à ce tir lointain. Chaussette qui va se déchirer ici pour aller récupérer ce ballon. Mystique, la balle interception. Ferra a été positionné en dernier défenseur. Ça va retomber sur Speed qui va trouver peut-être le Mystique pour la passe. Ah, il va se louper ici un petit peu, heureusement, hein, pour le Paris Saint-Germain qui était très en retard. La contre-attaque de Fruity, ça touche le toit, ça va atterrir directement sur Ferra. Pour Fruity, peut-être le dunk. Ah, ils ont voulu faire une savage, mais ça n'est pas passé cette fois, Boyan. Ouais, c'était bien tenté. Et Kuxir qui renvoie, Chaussette qui essaie de remettre. Et Ferra qui est tout seul dans les airs. La frappe, c'est compliqué à défendre. Speed est là. Deuxième ballon pour Fruity qui est contré par Mystique. La bonne présence de Flipside Tactics qui ne veut pas concéder ce but. 2 minutes restantes, ça va aller. Ferra est en place, il peut renvoyer loin devant. Le contre de Speed, Chaussette à la retombée, aux prises face à Mystique, qui s'en sort le français, mais ça revient avec Kuxir.
Ouais, l'affaire qui va partir sur le côté, c'est bien fait. Est-ce qu'il peut reprendre? Il n'a plus la ressource. Speed qui arrive à passer, mais pas de problème. Il n'y aura personne pour tirer Fruity dans l'autre sens du jeu. Qui va avoir, il va essayer de prendre son temps, mais ce ballon qui s'est décollé. Personne pour le challenge, du coup, il a voulu contrôler sa balle. Il s'est un petit peu emmêlé les pinceaux là, mais ça paye pas mal. Speed, la possession du ballon qui va viser Mystique. Chaussette qui intervient ici pour avorter le passing play de Flipside Tactics. On est maintenant dans le midfield, Speed avec la possession de ballon qui élimine un défenseur, il n'y a plus que Fruity en défense, peut-être Fruity qui va se faire dunk, heureusement il arrive à dégager sur le côté. Fruity, il va essayer de continuer face à Mystique, ouais il est passé, c'est Chaussette finalement qui prend le relais, et il redescend, Chaussette, attention Speed, la touche de balle qui laisse un petit peu à désirer, mais la deuxième, un petit peu mieux bloquée par Ferra là, qui est venu s'empaler sur le ballon, le bloquer contre le wall, Mystique c'est au-dessus de la barre, Kuxir pour abattre, peut-être l'angle est compliqué, il joue la passe en retrait pour Speed à l'aide du wall, c'était bien fait, mais Fruity a été plus vigilant. Oula, Speed là qui va rater un peu son dégagement. Mystique qui vient à sa rescousse. Il doit rendre un peu la balle à l'adversaire. Il pousse trop son ballon. Il a eu le boost. Mais Ferra va pouvoir réduire suffisamment la distance pour tirer cette balle sur le backboard. Et ça repart dans l'autre sens. L'intervention de Chaussette magnifique. Est-ce qu'il peut le faire? Oh, c'est dommage, il la touche. Mais il ne peut pas tirer suffisamment fort pour tromper le gardien. Mystique qui repart. Balle au pied là, côté gauche. Oh, il passe là avec un petit peu de confusion. C'est prolongé par Speed. La démolition de Mystique. Speed pour frapper. Ferra qui vient surgir pour l'empêcher. Derrière, c'est Kuxir qui va mettre le premier but pour Flipside Tactics. 39 secondes de la fin. Ah, c'est dommage, c'était bien fait. Ferra qui aurait pu faire rouler cette balle et qu'il la frappe. Ça fait la passe à Kuxir. Et forcément, il n'y a plus de troisième puisqu'il s'est fait détruire, Boyan. Oui. 1-0 pour Flipside Tactics à 39 secondes de la fin. Flipside qui se dirige tout doucement vers une égalisation dans ce PO éliminatoire. Chaussette, c'est Fruity qui va reprendre. Oh, Speed pour temporiser cheveux. Fruity qui reste là, peut-être pour centrer, bien joué pour Ferra qui arrive, qui est lancé. Oh, la claquette de Kuxir, Chaussette, il faut trouver le cadre. Non, il n'y parviendra pas, il y a eu le retour de Mystique. Chaussette en retrait pour Ferra qui va laisser passer à Fruity. C'est bien fait le fake là, avec le petit décollage. C'est bien touché par Mystique, Ferra, ça revient. Le PSG qui force là dans ses 15 dernières secondes. Ouais, Speed qui élimine l'adversaire, Chaussette qui tente une démo, mais la démo qui ne passe pas. Kuxir qui tempo, il reste 8 secondes, ils ont la position, ça pinche complètement. C'est revenu dans l'axe, mais qu'est-ce qui va pouvoir bien prendre cette balle? La personne n'a pu le voir venir. On est toujours une balle dans l'axe, attention, ça va toucher le sol. Flipside Tactics qui égalise dans ce PO éliminatoire. Ils ont amorcé le reverse sweep et nous sommes maintenant dans une game 5. Le PSG d'au mur, ils ont remporté les deux premières games facilement car Flipside Tactics n'était pas réveillé. Mais désormais, c'est le cas. Ils vont devoir aller la chercher, cette qualification. Tout était bien parti. Malheureusement, ça a commencé à déraper. Et là, on tremble. Là, on tremble tous. Il va rester une game 5. Le PSG doit absolument la remporter. Sinon, encore une fois, ils nous auront fait croire. Ils nous auront leurré. Ils nous auront trompé. C'est encore un prank. Ils nous auront donné l'espoir. Mais allez, allez, ils vont le faire. Je discutais avec Bashi, on discutait avec Bashi tout à l'heure et il me dit si le PSG perd, le PSG va remporter, va prendre deux games. Le PSG a pris deux games, le PSG a donné l'espoir et le PSG est mené. Non, mais le PSG, non, le PSG va pas gagner. Encore mené. Le PSG va l'emporter. Bien sûr. Bah, ils ont pas le momentum hein, et ce serait pas le premier reverse hein, qui a depuis le début de cette DreamHack. Il y a Triple Trouble de Cassio qui se sont fait reverse par Dignitas. Ouais. Il y en a eu d'autres, je sais plus. Il y a eu Tainted Minds contre Energy. Et Game 5, Game 5. Il n'y aura pas le PSG, il n'y aura pas Flipside Tactics. Allez, on y va. Champions Field. Game numéro 5 pour une place dans le top 8 de cette DreamHack Leipzig pour garantir du cash prize. Garantir un retour demain dans le troisième et dernier jour de cette très très grosse compétition. PSG Sport Flipside Tactics, c'est parti Ras. Eh oui, le kick-off ici, ex aequo là, au début du kick-off. Kuxir au duel avec Fruity, ils ont pris exactement la même trajectoire là, ça enchaîne les duels dans le midfield. Chaussette qui va prendre l'avantage pour le PSG, est-ce qu'il va pouvoir dunk cette balle? Ouh, le rebond très difficile là, Kuxir avec sa grande batte mobile qui arrive à la prendre. Attention, ça peut être très dangereux, Fruity qui se jette, mais Kuxir s'interpose. Ouais, il était là, l'italien, et s'est dégagé loin devant par Mystique, c'est affaire à deux devoirs. Où est ce ballon? Il prend son temps, on y va. Kuxir est à la retombée. Attention, le bon contrôle de l'italien. Il va défier Petit et derrière Mystique qui va cadrer. Ça va être le premier but pour Flipside Tactics avec ce duel remporté au milieu de terrain. Oh, c'est bien joué, mais le duel, quel duel! Et on voit là tout l'intérêt d'avoir une batte mobile hein, sur cette action. Ça revient parfaitement sur Mystique. C'est la batte mobile qui a remporté ce 50-50 ici.
Après le superbe contrôle, on est à déjà à 30 secondes, déjà 1-0 pour Vincent Tactique qui confirme sa domination dans la deuxième partie de ce BO5. On est maintenant dans le camp du PSG, Ferra qui a un petit peu la place ici, qui prend son temps. Attention, il va se faire démolir peut-être par Speed. Il arrive à éviter la démolition et avec un sailing, il essaie de s'enfuir. Fruity qui lui vient en aide, heureusement il avait raté son sailing, on repasse dans l'axe, Mystique qui aurait pu frapper, heureusement il ne peut pas tirer, Chaussette 45 qui continue, il va être dunk par Speed, ça va revenir dans l'axe, il y a eu un petit raté ici la défense, ça va toucher le toit, il va falloir écarter ce ballon, Mystique qui continue la pression, ça passe dans l'axe peut-être pour Speed, Speed en deux temps, Speed la frappe, oh c'est sur la barre. Et le petit dunk là de la part de Fruity pour prolonger ce ballon et permettre aux Parisiens de souffler, Fruity qui retourne sur ce ballon et il gagne le duel là le Danois, il va essayer de centrer peut-être en retrait, non finalement il cherche le second poteau mais c'est un petit peu trop long, Ferra sera là, il est battu en retard sur Kuxir. Oh, Chaussette qui n'est pas très bien positionné pour aller contester ce ballon, finalement le demi-tour rapide qui lui permet de toucher, de gagner un petit peu de temps, Speed qui passe en force face à Fruity et Chaussette va clear. Ouais, les clears de Chaussette hein, qui sont là toujours, Kuxir qui va remettre cette balle devant, Ferra au premier poteau qui rate sa touch ici, Fruity qui lui vient en aide mais c'est trop tard, Mystique qui peut la retoucher, il va laisser à Speed. Super. Non, et oui, il va feinter, il le sait pas, le gardien qui va prendre ce ballon, il ne peut pas ici. Ferra au premier poteau qui va pas assez appuyer son clear, ce qui va permettre derrière à Flipside d'inscrire un deuxième but dans cette game 5. Ouais, Mystique il va même viser Chaussette, hein. Il oriente son véhicule et il booste en direction du dernier défenseur du PSG pour essayer de le gêner et permettre à Speed de marquer un deuxième but facile. Et attention Speed pour le troisième peut-être, Petit qui est là, les Parisiens qui sont au bord de la rupture. Si ce n'est déjà dans la rupture. Attention, Chaussette, faut pas se rater. Donnez pas, Boyan. Il reste 3 minutes ici, c'est pas terminé. Speed qui va essayer de frapper le backboard. Chaussette qui va pouvoir le défendre. Mystique qui s'envole ici pour essayer de maintenir cette balle. Gros, le rebond terrifiant. Heureusement, Chaussette a pu le lire. Fruity qui monte en attaque là. C'est Ferra qui a une bonne touch de balle à faire. C'est fait, c'est pas mal. Ça va toucher le backboard. Fruity qui ne pourra pas la redirect. C'est dégagé par Mystique. On est maintenant dans le corner de Flipside. Ferra qui continue ce ballon. Est-ce qu'il va pouvoir centrer? Ça va être dégagé par Coxir. Ça va atterrir directement sur Chaussette qui va rater sa touch complètement. Et Flipside qui passe à l'attaque. Il va falloir temporiser là, Fruity. Ce ballon qui revient dans l'axe. Il n'y a pas de présence bleue pour contest. Speed qui la lève, ça va profiter à Mystique. La touche en direction du second poteau. Chaussette et Ferra, tous les deux sur ce ballon. Ça profite à Fruity derrière, mais Speed, une touche est parfaite oui. Sur le backboard. La frappe de Ferra manquera énormément de puissance là. Speed va pouvoir retoucher ce ballon une deuxième fois. Fort dans le coin de corner pour centrer peut-être. Oh, il y a eu un très très bon dégagement. Là, on est dans le camp de Flipside maintenant. Fruity, peut-être la passe dans l'axe pour Ferra. Ils peuvent frapper, mais ils l'ont vu venir. Les défenseurs de Flipside Tactics. Kuxir là, qui a toute la place du monde, c'est open. C'est open, il s'est fait démolir. Est-ce qu'il peut la reprendre? Non, le retour héroïque ici du joueur du PSG. Je n'ai pas vu qui c'était. Oh. Mais c'est pas fini, ça cadre derrière. C'est incroyable cet enchaînement qui vient de se passer pour le Paris Saint-Germain. Un arrêt de Fruity. Fruity qui arrête et Fruity qui marque. Oh, il s'est en donné. Utilisant il a tout donné. Le héros du PSG ici qui relance son équipe. Allez, 2 minutes restantes, les Parisiens, plus qu'un but à mettre pour égaliser face à Flipside. Attention surtout à ne pas en concéder. Le kick-off en faveur de Fruity derrière qui va défier Mystique dans les airs. L'Écossais qui met sur le côté va essayer de retoucher. Oh, il s'est raté. Oh. Ferra qui décolle face à Speed. L'Anglais qui gagne son duel. Fruity, oh, faut laisser ce ballon, c'est pas par là. Ok. Non, le backboard. Et c'est le but. Quelle erreur. Il est encore dans le mauvais sens, Fruity. Il est dans le sens de l'attaque. Et oui, cette touche de balle là qui vient mettre Speed dans d'excellentes conditions. Il n'a plus qu'à ajuster le défenseur, mettre ce ballon au-dessus, et hors de sa portée. Et Chaussette avait fait le tour en plus pour repartir dans le bon sens. Oui, là, l'erreur de communication. À nouveau, 2 buts de retard pour le PSG. Ferra qui ne passera pas à la face à Mystique. Derrière, il y a Fruity qui trouve le côté du poteau. Speed sera là, Ferra encore peut-être pour centrer. C'est un petit peu trop long, c'est à Chaussette d'essayer de faire quelque chose. Ouais, Chaussette là qui peut tenter la passe backboard. Kuxir qui va la bloquer. C'est assez raté de la part du joueur italien. Mais pas assez de pression. Speed qui en profite. Mystique, attention, il a un rebond difficile. Ferra qui bloque in extremis cette balle. Heureusement, Mystique qui peut la reprendre. Oh, Kuxir qui est bump. Il y a peut-être à quoi jouer avec Chaussette ici maintenant. Est-ce qu'il peut dribbler? C'est fait la passe backboard. C'est open net. Vas-y, Ferra. Ça passe. 3-2. Ils sont en train de remonter. Il reste 1 minute. Allez, encore une fois, Chaussette à la manœuvre. Cette fois-ci, il élimine les 3 joueurs de Flipside Tactics. C'est Ferra qui est là. Pour redonner un mince espoir au PSG. Allez, mince espoir. Il y a de la place. Moi, j'y crois plus. J'ai du mal. Ils me font mal. Win. Allez, Chaussette à l'engagement. Ferra, il y a l'espace. Il va la lever pour lui-même. Mystique est réactif.
Ah, Chaussette là qui va pouvoir poursuivre. La bonne frappe de Chaussette ici c'est bloqué par Cooksir Speed qui va être au duel avec Fruity. Fruity plus rapide. Ça arrive dans l'axe. Baby Stick qui s'envole un peu plus rapidement que son adversaire. Speed. Il va repasser dans l'axe. Il fait une mauvaise touch. Du coup, Chaussette peut en profiter. C'est pas mal. Il faut passer à l'attaque. Le rebond largement à l'avantage de Flipside ici qui va permettre à Mystic de tempo là ici. L'essai de tempo quelques précieuses secondes. Il ne se donne pas là hein, les Flipside. Mais c'est peut-être l'occasion de leur mettre la pression. Chaussette qui arrive à dunk son adversaire. Est-ce qu'il peut la double tap? Pour faire une passe, non. Mystic du coup qui va pouvoir dégager sur le côté. Fruity dans l'axe, c'est pas mal pour faire à la frappe. Oh, c'est sur le poteau. Ah, c'était maintenant qu'il fallait la mettre. Oui. Mystic qui va clear, peut-être sur Fruity en situation délicate. Là, ça frappe le backboard. Ferra qui décolle, le duel qui n'est pas remporté par le français. Mais derrière, il y a Fruity qui en profite. Le ballon dans le coin de corner, Mystic va y aller. Il va essayer de pinch le plus loin possible. C'est oui. Sur Chaussette qui cherche Ferra. Oh là là, ça fait des 1-2 entre adversaires. Chaussette qui est là. L'arrêt de Mystic au dernier instant. Ferra, il faut centrer. Fruity, elle est là, l'opportunité. Il cherche Ferra, c'est pas mal fait. Oui. Fruity peut-être pour la remettre. C'est raté. Le ballon qui est en l'air, toujours en vie. Ferra peut-être, faut créer un miracle là. Fruity qui a décollé, c'est toujours possible. C'est terminé, le PSG est éliminé. Flipside Tactics se qualifie pour les playoffs. Le River Sweep. Paris qui avait les 3 balles de match. Et Flipside Tactics qui revient de loin. Qui remporte 3 manches consécutivement. Let's go D-Speed. Et oui, ils y vont. C'est eux qu'on retrouvera le 3ème jour. Le PSG qui perd son titre, ils ne remporteront pas cette DreamHack 2019 après celle de 2018. La déception de Fruity, la joie de Flipside Tactics. Et ouais, et ça faisait longtemps. Eh bien, voilà. On a eu donc encore une fois 2 matchs, hein, décidément, à cette DreamHack, hein, c'est toujours ça. On a 2 manches avec un PSG correct. Et un Flipside Tactics complètement éteint, complètement amorphe, qui donne 2 manches, pas ennuyeuses, mais bon, assez. Et là, le réveil, l'overtime, le 2-1, puis le 2-2, puis on sait très bien ce qui se passe ensuite. Et ce qui est fou, c'est que même dans la Game 5, ils s'offrent le luxe de nous faire flipper jusqu'à la dernière seconde. Oui. C'est toujours comme ça. C'est... L'e-sport, je suis d'accord, l'e-sport Rocket League est un petit peu répétitif. Je suis d'accord. Quoi ? L'e-sport Rocket League est un petit peu répétitif. Oui, c'est un. Quand on commente le PSG, quand on regarde le PSG, quand on supporte le PSG, malheureusement, on souffre énormément. On voit tout le potentiel de cette équipe et on voit qu'ils ne parviennent pas à concrétiser 3 balles de match. Alors qu'ils sont allés les chercher, ces 3 balles de match, c'est dur. Je pense à vous dans le chat, vous qui êtes en souffrance comme on l'est ici maintenant. Période de deuil, on perd le PSG. Non, on a Alpha 54, on a Savage qui va passer. Il y a quand même un sentiment de déjà vu. Et oui, mais comme oui, tu dis, il nous reste encore des Français. C'est répétitif. Oh, ce que nous propose le PSG est un petit peu répétitif. Un classique. C'est dur. C'est un prank qu'ils font exprès. Ils font ça pour nous faire marrer. Ça me fait pas rire. Il faut arrêter. Non, c'est pas drôle du tout. On va aller vous proposer l'interview. Because they just get too passive. They try and play too safe. They had to close that out in game number 3, but it looked like they were just wanting to play defense for the entire series. We need more offense out of PSG. And I thought they played plenty of offense. It was just there were a couple of times where just they weren't able to put the ball into the back of the net. They had plenty of great pressure in that game 5. I think the big turning point for me in this entire series was game 5. That first goal about 30 seconds into the game, ouais, because là, at that point you knew rotation, Flipside stopped PSG on the chance. It's like, yes, they won the 4-minute overtime in game 3. Yes, they won game 4 by Mystic one goal and it was close. On interview. Game 5 happened, you come out early and you win, it's like, all right, beat us. Didn't happen. Did not happen here, and we got ourselves a Mystic to join us up at the desk. Welcome here, Mystic. Congratulations on the victory. Thank you. I'm gonna go ahead and ask, man, how were you able to turn that momentum back in your favor? Comment vous avez fait pour renverser la vapeur? In game number 3. I mean, for us, it's the classic Flipside slow start. We always lose the first two games. On a fait du classique Flipside. Toujours un départ très lent. Games, more warm up. Easy clap. Puis, easy clap. Les games suivants. You could try more attempts at it, or was that just part of the gameplay? Honestly, it's just because they've got a really good defense in general. They're super hard to break down. Chaussette's a monster in defense. Super défense. If he's compliqué à battre.
So I'm just curious, since we didn't get to see that match, you guys played Savage earlier. We were kind of wondering, it was the 0-3 by Savage. Comment ça s'est passé le match contre Savage? That team if you end up playing them again? Oh, we got absolutely stomped by Savage. Ah, on s'est fait, on s'est fait éclater contre Savage. Ils ont joué le meilleur Rocket League de leur vie, j'ai l'impression. On n'a pas très bien joué non plus contre eux, mais ils ont extrêmement bien joué. Maybe add to that a little bit more. Maybe if you could gauge the scope of how threatening you think Savage is. I mean, clearly they can't, you know, maybe take you guys out and, you know, deny you the victory. But beyond that point, because they seem on a tear here. Yeah, I mean, honestly, they're probably up there with one of the teams that we would actually like to avoid. J'avoue, je préférerais ne pas rejouer contre Savage. C'est l'équipe en vogue hein, pour cette DreamHack. Well, congratulations there for support of the favori, là. Félicitations, Mystic et les Savage, c'était pas mal du tout. Et Flipside Tactics qui verra donc le jour 3. Je suis abattu, Rasmeltor. Pourquoi on s'inflige ça aussi là? Pourquoi c'est tombé sur nous? Pourquoi on encourage le PSG? Pourquoi on aime bien ces joueurs? C'est dur, pourquoi vous nous faites ça? Ferra, Chaussette, Fruity. Allez, tant pis, on a perdu le PSG, mais il nous reste des Français. On verra cet après-midi Renault Alpha Vitality. On a Alpha 54 qui est qualifié pour le top 8 demain pour les playoffs. Donc, quoi qu'il arrive, on aura quand même des petits favoris à supporter demain et encore aujourd'hui parce que c'est très très loin d'être terminé. On est même pas à la moitié de cette retransmission. Il nous reste tout le groupe B à voir. Mais avant ça, un dernier match du groupe A, Cloud9 contre Complexity. Ce sera un match éliminatoire avec le vainqueur qui sera qualifié pour les playoffs et le perdant qui sera aux côtés de PSG demain à regarder avec nous. On se dit à tout à l'heure pour le match suivant. Merci beaucoup d'être avec nous.